compagnie, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette toute première vidéo. Alors voilà, on a décidé de se lancer pour la énième fois, je vais dire, mais en fait, ça n'allait jamais comme je voulais. Donc, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Alors voilà, on a décidé de vous emmener avec nous, vivre avec nous notre quotidien, nos joies, nos peines, nos disputes, presque tout. Ouais, presque tout. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire encore. Et voilà, on va vous faire voir comment on vit un petit peu nous, parce que là, j'ai tous mes enfants, tous, j'en ai que trois, qui regardent. Oui, qu'elle va être après, ma belle. Voir comment ce qu'on fait entre guillemets, nos animaux, nos tout. Voilà, alors là, je vais aller avec Kaouette. Action! Chez Action. Parce qu'on va avoir un nouvel habitant. Il va pas arriver maintenant, mais on lui prépare son arrivée. Donc oui, il va s'appeler Georges. Voilà. Non, pas Georges. Si, Georges. Alors, Georges ou Richard? Simba. Non. Richard. Bon, je vous emmène avec nous et puis voilà. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, nous voilà, on va chez Action. Il ne me faut pas grand-chose de base. Enfin, je sais à peu près ce qu'il me faut, mais à tous les coups, ça va être encore un carnage. Enfin, encore. Ça risque d'être un carnage. J'ai oublié de vous dire, on va filmer sur plusieurs jours. Comme ça me permettra de... Un peu plus de week-end. Oui, on est bien le week-end, oui, là. Oui, à oui. Les vacances. Ah, parce qu'on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. On est mardi, ouais, c'est ça. Et vous voyez, Cacahuète, elle a des pinces, des neuroses. Ouais, par moments, ça lui arrive. Elle n'a pas le choix. allez, on vous reprend sur Action. Après. Parce qu'on a de la chance, Action, il est à 5 minutes à pied de la maison, même pas. Donc, ça, c'est pas mal, franchement. Oui. Ça, c'est pas mal. Au moins, t'as 5 minutes de route. Oui, à peine. Et à pied. Ça, c'est bien. Et allez. En voiture. Bon, la Action, pour moi, ça vaut pas le coup. Hein. Il me fallait des trucs pour le chat. Ouais, c'est pour le chat. C'est pour le chat. C'est. Faut pas qu'il sente sel. Sel. Pour moi. C'est bon, mais c'est pas pour aller au boulot. Non, c'est pour moi. Oh, elles sont trop belles. Ça, c'est pour moi. Non. Ça, c'est pour le chat quand même. Enzo, toi, ça, c'est pour toi. Ah non. Et j'en ai pris deux. C'est une arnaque d'aller chez Action. C'est une arnaque. Bon, quand même pour le chat. L'herbe à chat. Non, c'est pour gratter ses griffes. Si. Ouais. Planche à griffes pour chat. Bah oui. Alors, pourquoi tu mets des griffes dedans? Bref, c'est voilà. Ouais. Bon, là... Ça va être un petit peu le remue-ménage ici. Moi, je suis en train de terminer une lessive. Carrette. Je suis en train de terminer une lessive parce que je teste la lessive à la cendre. Ensuite, quelle heure il est? Il va être 2h. Voilà, Carrette, elle va se préparer. Elle va à son activité tout l'après-midi. Collée, elle va au cheval que je rejoins après. Enzo.
C'est des gamelles pour chat. Bon, d'habitude, c'est pas pour le chat. On les a trouvés dans le rayon cuisine. Bref, donc voilà. Puis en attendant, monsieur papa, il va rentrer du travail aussi. Ah, ça sert toujours aussi. Et ouais, donc l'après-midi, là, il y a un petit peu. Voilà, je vais avoir des courses à faire sûrement. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, la compagnie, je vous reprends. Je vais voir mes bébés. Je vais au cheval. Monsieur papa qui est rentré. Vous n'avez pas vu depuis ce matin, lui. Parce qu'il va falloir s'habituer à voir tout le monde. Hein, ou des moments, personne. Voilà. Là, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, tout le monde va qu'à ses occupations, cacahuète et à ses activités toute l'après-midi. Enzo est parti avec ses copains. Je rejoins ma fille avec Solène, qui est son amie. Elles sont déjà au cheval. Et moi, je viens en renfort, on va dire. Parce que j'ai des clôtures à refaire, je vais faire travailler ma jument. Si elle va vouloir. Et essayer de penser un peu tout le monde. Voilà, donc là c'est pareil aussi. Hein. Venez avec nous. J'avais 2-3 pots de colle à faire. Donc on y va en vitesse. Parce qu'après le retour de la pâture, on verra. On verra, on va en avoir. C'est tout, on rentre. Je pense que c'est pas mal déjà. Bon, et demain elle part en journée. Alors elle va prendre un pique-nique aussi. Ah oui. Bon, la compagnie, je vais clôturer pour aujourd'hui. Parce que je suis rentrée du cheval. J'étais faire 2-3 courses. On va se laver, puis on va manger, puis on va se mettre tranquille à la télé. Donc je vous dis à demain. Et pour vous, à tout à l'heure. Et rebonjour à tous. Bon, le lendemain d'hier. Aujourd'hui. Cahouette, elle n'est pas là. Elle est partie toute la journée au Louvre-Lens. Ça fait un petit peu de voilà. Nous, on a la maison à 3 parce que monsieur papa travaille. Et j'ai eu une très bonne nouvelle. Bon, j'en parle pas pour le moment. J'en parlerai plus plus tard, tout simplement. Et aujourd'hui, quoi de prévu? Ménage, comme d'hab. Ménage. Après-midi, peut-être aller voir Elena. Enfin, j'ai des papiers à faire, mais on verra bien. Sinon, moi, j'espère aussi... Hein? Moi, je vais au poney. Elle va voir les chevaux, la grande. Et j'espère sinon que vous allez bien. Que tout va bien. Parce que moi, là, ça va super. Ça va super. Bon, allez. Viens aller avec nous. Qu'est-ce que je fais avec eux? Bonjour, prends.
Hop là. Voilà ma carouette en face. Là, on est chez la grille. Et on va aller voir Elena. Alors moi, je vais seulement la voir. Il va falloir que vous vous habituez à avoir une tête comme ça, hein, parce que voilà. Oui. Alors, elle a mangé, Elena? Elle a tout mis par terre. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. T'as envie d'aller aux toilettes? On va chez le dentiste après. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Enfin. Ah, et enfin, voilà. Ouais. Papa, il est pas content. Pourquoi papa, il est pas content? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il en a marre. Hein? Il m'a demandé oui. De mettre Elena par terre pour que ça aille plus vite parce qu'elle est trop longue à manger. Ah bah oui, mais Elena, bah là, là-bas, là. Par contre, elle est toute seule. Hein. Bah oui, hein, c'est un animal qui vit dehors. Hein? Et ça va, ses sabots, ils sont beaux encore. Ouais? Ouais. Bon. Colette le dit. Bon, ouais, on va reprendre un peu nos repères ici parce qu'on revient ici dans pas longtemps. Ah, dans pas longtemps. Dans un mois et demi. Ouais, je verrai bien. Et ben, je verrai bien, c'est pas moi qui vais décider en même temps. C'est pas vrai. Celle-là. Tiens. Viens là. Alors, pas toucher ses oreilles parce qu'Elena, elle veut pas. Je sais pas si c'est typique chez les ânes. Eh ben, on voit un gros bidon. Il y a sa veine de lait. Enfin, sa veine de lait. Il y a une veine de lait. Mais, toujours pas de bébé. Mais si, en fait, j'avais mal calculé la fois quand j'ai commencé à remarquer qu'elle était pleine. Viens là, grand-mère. Non. Viens là. Et je disais donc, oui, c'est la... ouais, j'avais mal calculé, en fait. Parce qu'en fait, la gestation chez l'âne, ça dure entre 13 et 14 mois. Et là, on serait à 11. Si vraiment, parce qu'en fait, on a calculé par rapport à la dernière fois où elle avait été mise avec un mâle qu'on avait su. Et... Bien, Fifi, bah oui, alors... Et en janvier, normalement, elle serait... à terme. Mais en fait, elle fait des blagues sur son corps. Oui. Oh, moi, j'ai rien à manger, hein. Non. Tu viens, grand-mère. Et normalement, si tout est bien... on va dire, ouais, ça se dégoupille bien, si elle est bien pleine, pour janvier. Bon, ça sera un anon. Un anon. Et au cas où Elena est arrivée avec nous... Parce que si on la prenait pas, ouais, grand-mère, non, elle allait à l'abattoir. Donc on a demandé, est-ce que tu peux nous filer un coup de main? Ben, j'ai dit oui, je pouvais pas dire non, c'est impossible. Et là, je la montre facilement, parce que quand on, bon, même si elle est sale, hein, parce que quand on est arrivé, quand elle est arrivée, oui, elle était très triste. C'est pour ça que je la faisais pas voir. Oh, j'ai eu du mal là. Et là, bah, Elena, elle a bien repris du poil de la bête. Elle est en train de faire son poil d'hiver. J'aurais bien voulu la brosser, mais pas possible. On va passer un petit peu de temps avec elle. Ah oui, non, je peux pas trop parce qu'après, on va chez le dentiste. Bonjour. Bon, allez, dentiste avec Cahouette. Et tu m'as dit quoi? Pourquoi? T'aimes plus. Et tu m'as dit aussi... Attends, tu tremblais de où? De nulle part. Si, t'as pas dit ça. De nulle part. Elle vient de me dire, elle veut pas aller chez le dentiste et en plus elle tremble des dents. C'est... J'ai peur. Bon, t'as peur. Elle a raison d'avoir peur. Elle a pas de caries, hein. Normalement non, y a pas de tout ça. Hein. Elle brosse pas bien ses dents. Mais elle brosse pas ses dents et la dentiste, elle va le voir de toute façon. Hein. Ça, c'est pour ça qu'elle veut pas y aller en fait. Parce qu'elle a pas peur. Hein. Si, j'ai peur. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Si. Bon bah elle a peur. Bon, vous verrez que ma vie c'est un peu les courses. Parce qu'on est souvent en course. Sinon dentiste. Ça n'a pas été bien. Ça n'a pas été bien. Elle m'a grondée. Ça fait gronder. C'est pas vrai. Un petit peu si quand même. Si quand même. Non. Parce que Lilou brosse pas ses dents. Non, c'est pas vrai. Si. C'est que les... C'est bon. C'est bon. Non, c'est pas vrai. Bon. Et on a perdu papa. T'inquiète, et papa est là-bas. On va faire quelques courses. Et après, on rentre. On va faire ça. Non. Bon,
Je clôture pour aujourd'hui, pour ces 2 jours, parce que là, ça révise. Kawette est au bas. Lui est derrière moi. Non, je suis là. T'es derrière moi. Et il va se dépêcher d'aller faire des papiers parce que j'en ai besoin. Voilà. Bon, parce que je vous le dis maintenant, de toute façon, ça va pas. Tant que je fasse le montage, ouais. Que j'arrive à tout ça, vous. Voilà, ça aura commencé. Moi aussi commencer. Parce que je commence demain à travail. Dans un truc de thé. Et ça, tu vas te taire. Parce qu'il ne faut pas non plus. Enfin, frappe là, papa. Papa, frappe là. Ah, papa, frappe là encore. Elle n'a pas volé celle-là. Elle n'a pas volé celle-là. Ah. Et les deux. Et les deux. Ah, tu la ramènes moi. Non, voilà. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. On va couper au montage. Hein. Alors je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça va vous plaire, ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et papa à mettre un pouce. Quelle couleur? Je pense bleu, ça serait bien. Et pourquoi on met un pouce bleu? Parce que couleur amoureux. C'est bien, c'est une bonne réponse, mais c'est pas ça. Allez, je vous fais des bisous, ciao.